On a des patients qui sortent d'hospitalisation et de chirurgie. Ces gens-là, si on ne leur fait pas un suivi, ils risquent des séquelles. Là, j'ai un patient qui a eu une rupture du tendon d'Achille, c'est-à-dire que le tendon a complètement pété, et il a été recousu par le chirurgien. Ce patient-là, il a une immobilisation de 3 à 6 semaines, en fonction de la chirurgie, et son pied est bloqué dans un plâtre, à 90 degrés au niveau du pied. Si cette personne-là, on ne le remobilise pas ou on ne lui fait pas travailler musculairement parlant et articulairement parlant son pied et son genou, il risque de boiter toute sa vie jusqu'à la fin. Parce qu'on ne peut pas être sûr de la récupération après un mois et demi, deux mois sans rééducation. Alors, je m'appelle Loris Mangonia et je suis kinésithérapeute à Paris, dans un cabinet libéral. Dans ma classe, j'accueille une petite fille qui habite chez sa grand-mère. Eh bien, la grand-mère a un forfait de téléphone réduit. Elle n'a pas Internet. Et donc là, je ne sais pas du tout. Je pense que, entre guillemets, je vais la perdre pendant cette période. Ça va être difficile de lui envoyer du travail. Je m'appelle Géraldine Guérin. Je suis professeure des écoles spécialisées. Je travaille en ULIS. C'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Donc, ma classe accueille des enfants de différents âges, c'est-à-dire que les plus jeunes ont 8 ans et les plus âgés ont l'âge d'être en 6e, donc ils ont 12 ans. Notre président nous a annoncé que les écoles allaient fermer du fait de la crise sanitaire. C'était un petit peu la panique puisque dès vendredi, il a fallu expliquer la situation aux élèves, qui comprenaient plus ou moins ce que cela signifiait. La plupart pensaient « Ah bah ça y est, chouette, on est en vacances ». Alors que non, il a fallu bien expliquer que ce ne sont pas des vacances, mais qu'il va falloir travailler à la maison et qu'on allait rester en lien. Donc ça, c'était des principes en fait, hein, puisque... Concrètement, à ce moment-là, je n'avais aucune idée de comment j'allais pouvoir organiser cette continuité pédagogique que le ministère nous demande de mettre en place. Alors déjà, nous, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on essaie de s'organiser en amont pour savoir s'il nous fallait des masques de protection et du gel hydroalcoolique, ou au niveau du cabinet, comment s'organiser avec la patientèle. Mais vu l'évolution du coronavirus assez rapide, on a dû s'adapter drastiquement, c'est-à-dire qu'on a fermé le cabinet à partir de lundi. Donc on a décidé ça dimanche soir. On n'avait pas de directive à l'heure actuelle. On nous avait juste dit d'essayer de respecter au maximum les consignes d'hygiène. On n'avait pas de détails. Et à partir de mardi midi, on a eu les consignes de l'ordre de fermer le cabinet, sauf pour les soins dits urgents ou vitaux. Donc pour les personnes très très âgées qui risquent de décompenser, c'est-à-dire de décéder si on les bouge pas. Donc c'est juste ces patients-là et moi ça ne me concerne pas. Du coup, on a fermé le cabinet en avance parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de contaminer même une dizaine de personnes qui par la suite pouvaient contaminer 50 personnes. Les conseillers pédagogiques, a priori, nous ont demandé de surtout garder le contact avec les familles. Alors pour cela, téléphone, WhatsApp, mail et site de l'école. Voilà, donc moi, vendredi, quand je suis rentrée chez moi, ben, j'avais pas pris
mon classeur avec toutes les adresses mail de mes élèves. J'avais juste mon classeur d'urgence avec les numéros de téléphone. Du coup, je suis allée en urgence à l'école parce que par téléphone, je n'arrivais à joindre quasiment personne. Je me suis dit au début, je vais demander les adresses mail par téléphone. Mais bon, ne réussissant pas à joindre tout le monde, ça devenait très, très long, très fastidieux. Donc, je suis retournée avec des gants, avec toutes les précautions nécessaires et en dehors des horaires scolaires pour ne croiser personne à l'école, chercher mon classeur et pouvoir récupérer des adresses mail que j'avais. Donc après le test, c'est effectivement comment on va rester en contact avec nos élèves, sachant que, par exemple, là, j'en ai trois pour qui c'est silence radio. Je n'ai pas du tout été, j'ai pas eu de réponse de leur part. Et puis pour les autres, donc j'ai une élève qui me dit « Oh là là, ça va être compliqué, pas de téléphone, pas d'internet, pas de WhatsApp, pas de mail. » Donc là, ça va être le courrier. Donc, on a quand même des familles qui restent difficiles à joindre. Il y a deux possibilités, je trouve, même trois, on peut dire. La première, c'est déjà juste le téléphone. Appeler le patient pour savoir où il en est, comment il se sent, s'il a besoin de conseils, s'il y a des choses, s'il a des choses où il se pose des questions, qu'il n'hésite surtout pas à me contacter, déjà lui dire que je suis disponible. La deuxième solution que j'ai trouvée, c'est de passer par des applications qu'on a via nos smartphones et via l'ordinateur, il donne une liste d'exercices qui sont montrés par vidéo. Donc, moi, je prends le patient, je lui fais un programme spécifique avec les exercices qui sont disponibles, et je lui envoie par mail ou par SMS. Et ce dernier, il a juste à suivre les exercices et à les réaliser de son côté. Et le tout dernier, c'est la téléconsultation au sens propre du terme, c'est-à-dire que via une tablette, un smartphone ou un ordinateur, on fera une consultation via vidéo. Ou alors, je resterai une demi-heure avec la personne ou 25 minutes. Là, c'est ça qui est encore en train d'être mis en place parce que justement, on est un peu pris de court parce que c'est venu tellement rapidement qu'il faut s'adapter et ça prend un peu de temps. Donc concrètement, vendredi, mes élèves sont partis avec un petit dossier et puis du travail pour à peu près 2 semaines, sauf les élèves absents puisque j'avais quand même 4 absents. Donc pour ceux-ci, c'est un petit peu plus difficile. J'ai réussi à joindre toutes les familles. Ça m'a quand même pris 2 jours pour pouvoir parler à tout le monde et voir en fait avec chacun comment on allait s'organiser. Effectivement, les élèves vont devoir avancer chacun dans leur coin puisque déjà, ils n'ont pas le même niveau scolaire. Ils n'ont pas les familles ne sont pas équipées de la même manière. Et donc, il y a des familles qui n'ont pas du tout accès à Internet. Il y en a d'autres qui n'ont accès que sur un smartphone, qui n'ont pas d'ordinateur. Il y en a qui ont ordinateur imprimante. Et il y a des élèves qui n'ont rien. Un patient, quand on le voit 1, 2, voire 3 fois par semaine, c'est un contact physique qui se crée. Ou via le toucher, je vais rassurer le patient, via l'immobilisation, lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur d'aller plus loin. Du coup, déjà, ça, c'est carrément plus possible. Du coup, c'est le patient qui, de son côté, va devoir avoir la force de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter à faire un mouvement. Donc déjà, moi, ça, j'appréhende un peu l'évolution de certains patients. Je pense vraiment qu'il va y avoir un ralentissement sur la durée de rééducation. Une pathologie où je me dis qu'en un mois, ça va être résolu. Je pense que là, on va être facilement sur 2 mois, 2 mois et demi. Parce que le temps que le patient prenne le courage de faire le mouvement, ça, on va déjà perdre énormément de temps. Après, ça va être aussi le visuel, le toucher, parce que bon là, je parle juste de l'aspect technique au niveau de tout ce qui est amplitude articulaire, musculaire, mais après, il y a tout ce qui est œdème, hématome, qui sont des boursouflures, des gonflements localisés au niveau de l'articulation ou d'un membre. Et ça, le seul moyen vraiment de voir où ça en est, c'est via le toucher. Et ça, pareil, c'est pas possible qu'on réalise, même avec des photos de qualité, à moins que je décrive aux patients comment faire le mouvement. Je pense que c'est ce que je vais faire, expliquer aux patients via quelqu'un d'autre qui ne palpe pas ma place et qui me dit ses ressentis, mais bon, ça ne sera jamais mon toucher à moi et ça sera le toucher d'une personne qui n'est pas du tout habituée à faire ça. Donc ça aussi, ça va être une grande, grande difficulté qu'il faudra essayer d'adapter. Donc bon, on est un peu dans les eaux troubles, on fait un peu au feeling. Je pense que pour le suivi des patients, c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir un contact physique. Après, je ne dis pas que sur certaines pathologies, on peut passer par la téléconsultation, les vidéos ou l'appel téléphonique, mais pour moi, rien ne vaut une présence physique. Rapidement, en fait, on s'est rendu compte que
qu'on était confronté à pas mal d'obstacles pour mettre en place cette continuité pédagogique. Parce qu'en fait, bon voilà, clairement, le ministère nous demande de proposer des activités qui s'inscrivent dans le prolongement de ce qui s'est fait en classe. En fait, il nous demande que le travail soit régulier, qu'il doit être réalisé dans un temps adapté, indiquer explicitement que le temps consacré à chaque domaine d'enseignement doit être corrélé aux horaires habituels, que les travaux proposés doivent être adaptés à l'âge et à la maturité des élèves, et qu'éventuellement, ils pourront être l'occasion de s'appuyer sur des compétences variées. Donc, au travail autonome, ça demande de l'autonomie. Cela veut dire que bon, les enfants sont capables de respecter un emploi du temps journalier, que les parents sont disponibles et sont aptes, ont la capacité plutôt de pouvoir faire travailler leur ou leurs enfants. Quand il y a parfois des fratries à 5 ou 6 enfants, avec des enfants primaires, collège, quand les parents ne parlent pas français, ne lisent pas forcément le français, c'est un petit peu difficile à imaginer, à concevoir. Et c'est là où c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'en fait, tout ce que je fais, c'est un long sur le papier, c'est bénévole. Les seuls qui peuvent faire la téléconsultation à l'heure actuelle sont les médecins. Tous les autres professionnels de santé peuvent faire la téléconsultation. Mais il n'y a pas de prise en charge sécu et mutuelle. Donc moi, je pourrais effectivement me mettre sur une application ou facturer les séances lorsque je les mettrai en place, mais il n'y aura aucun remboursement de la part de la Sécurité sociale ou de la mutuelle. Le problème principal, ce n'est pas tant les moyens, c'est plutôt comment ça se passe au niveau de la famille. Et c'est plutôt les familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir entre guillemets réceptionner, de pouvoir la mettre en place à leur niveau, cette continuité pédagogique. Et puis il y a quand même si on envoie des supports papier, quand les familles n'ont pas la lecture, moi j'ai des enfants dont les parents ne parlent pas du tout français, ne lisent pas du tout le français. Donc là, en fait, en proposant du travail, on met en difficulté finalement nos élèves. Je vais mettre en difficulté certains de mes élèves, je vais mettre en difficulté les familles. Même si on communique par téléphone ou par WhatsApp, ça va être très, très, très imparfait. Donc on va essayer de rester dans les missions premières de l'enseignant, en fait, nos missions premières de service public. Et puis, on va essayer de décliner ça en fonction des besoins des enfants et de ce qui se passe dans chaque famille. Voilà. Donc, ça reste quand même une belle aventure humaine puisque c'est une autre manière de communiquer avec les élèves, avec les familles. Et finalement, on apprend aussi à mieux se connaître comme ça, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Voilà, toujours rester positif. Thank you.